La semaine dernière, on était avec Anne-Marie Cocula autour de Montaigne, de cette année 1588 qui était assez mouvementée, on va dire, entre rivalité, lutte de pouvoir et guerre de religion. On va pas quitter forcément le côté artistique, bien sûr, ce soir, avec ce statut social de l'artiste dans la Renaissance ou à la Renaissance. Et puis, peut-être qu'on ne quittera pas non plus le côté rivalité, puisque je pense qu'il sera aussi question de rivalité, à la fois entre artistes, mais aussi peut-être entre mécènes. Alors, le statut social de l'artiste à la Renaissance est une question importante. Il est parfois difficile de citer des artistes, on va dire peut-être du haut Moyen Âge. En revanche, quand il s'agit de Renaissance, des noms nous viennent immédiatement à l'esprit, bien entendu. Vous avez vu tout à l'heure peut-être le film sur Michel-Ange, mais on peut citer bien sûr Botticelli, Raphaël, Léonard de Vinci. Signe peut-être que à cette période de l'histoire, s'est effectué un basculement, un changement important. Les peintres, les sculpteurs ne sont plus forcément juste ces artisans, mais aussi des inventeurs, des artistes à part entière, dont le nom est important et dont les mécènes se disputent finalement les œuvres. Voilà, donc merci beaucoup à Roxane Killa d'être venue. Je dis juste un petit mot. Donc vous êtes agrégée d'histoire, enseignante à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes aussi membre de l'Institut Ausonius, si je ne me trompe pas. Et je crois que vous avez consacré votre thèse à la Société Curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime. Et peut-être que ça sera aussi important d'en parler, puisque c'est un roi finalement d'Aragon, mais qui devient aussi souverain en Italie et qui développe particulièrement, je pense, le dynamisme et le mécénat dans cet état-là. Voilà. Donc merci encore et bonne conférence. Merci beaucoup, Bruno. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que j'ai mon diaporama? Non, je me vois dans le reflet. Ok, super. Et donc, je fais défiler avec les flèches. Impeccable. Alors, de façon purement illustrative, cette image qui est un cliché, un stéréotype presque, un lieu commun visuel de l'évocation de la Renaissance, des artistes de la Renaissance à travers la création d'Adam par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et c'est sous le signe du lieu commun et de l'interrogation des lieux communs que je voulais lancer cette présentation, puisque donc j'ai proposé comme titre la question du statut social de l'artiste à la Renaissance, mais j'aurais bien pu tout simplement poser la question de qu'est-ce qu'un génie? En préparant la conférence, j'ai pêché l'affiche sur Internet, et donc j'ai tapé Michel-Ange dans Google, et la première question suggérée par le fameux moteur de recherche était: pourquoi Michel-Ange est-il un génie? Bon, en fait, c'est le véritable intitulé de ce cours, sans doute, et du propos de ce soir. Vous avez... Non, on n'a plus le plan. Moi, je ne l'ai pas à l'écran, je ne sais pas si c'est normal. Moi, j'ai un problème d'affichage, il faut que je me retourne. Non. Plus, ok. D'accord, mais je peux commencer sans tout ça. Oui, donc il y a un plan que vous allez voir défiler au fur et à mesure de l'heure que nous allons passer ensemble. Et un plan qui va fonctionner en entonnoir à partir d'une introduction qui va vous sembler monstrueuse, beaucoup trop longue, sur la notion de renaissance, et qui va ensuite interroger le rôle des cours dans la construction aussi du statut social de l'artiste pour arriver plus précisément à Michel-Ange, aux sources sur Michel-Ange, aux propos, aux discours sur l'artiste, afin de bien mettre en valeur comment on est arrivé
à le considérer comme vraiment une figure de proue du génie de l'artiste de la Renaissance. Ah super, merci. Ce sera beaucoup plus confortable. Voilà. Donc, la question de la Renaissance, à laquelle j'apporte une réponse d'historienne médiéviste, à savoir la Renaissance n'existe pas. Et elle est une création historiographique, elle est la création d'historiens, d'humanistes, d'auteurs qui imposent cette idée dans le cadre d'un discours d'autopromotion afin d'obtenir des emplois, des places à la cour auprès du pape et auprès des grands princes mécènes de la péninsule italienne et au-delà. Et ces grands promoteurs de la notion de Renaissance sont ceux qu'on appelle évidemment les humanistes, mais nous autres historiens, quand on essaye de travailler bien rigoureusement, on est toujours très embarrassés. C'est pour ça que vous me voyez utiliser là dans l'image force guillemets, puisque Renaissance, Rinascimento, en fait, n'existe pas comme terme à cette période. On voit simplement Rinascita apparaître sous la plume de Vasari au milieu du XVIe siècle, de même que les termes humaniste et humanisme n'existent pas non plus au Moyen-Âge et pendant la période que nous qualifions de Renaissance. Ce qu'on trouve éventuellement, c'est de façon très tardive, c'est l'adjectif humaniste pour des profs au XVIe siècle, mais ce qu'on trouve vraiment dans les sources, c'est l'expression de studia humanitatis, les études des humanités, à savoir les textes et les langues anciennes. Et donc tous les acteurs de l'élaboration du discours sur la Renaissance, le Moyen-Âge comme un âge obscur et le retour à l'Antiquité ne se désignent pas et ne sont pas, à leurs propres yeux, des humanistes, mais des cultores studia humanitatis, des amateurs et des praticiens des textes et des langues anciennes. Donc voilà, par commodité, je vais dire, comme tout le monde, humaniste et renaissance, mais ces mots sont donc des constructions a posteriori, et leur caractère en fait complètement artificiel me semble un point qu'il est important de soulever pour bien saisir justement aussi le fait que cette notion, cette périodisation, cette idée de Renaissance est complètement artificielle. Et donc, quelle est un stéréotype promu par ces humanistes à partir du 15e, 16e siècle. Enfin, ça démarre au 14e siècle, ça fleurit au 15e siècle, et l'épanouissement de ce puissant courant culturel est total au 16e siècle. Et donc, le contenu du stéréotype qui est élaboré par les humanistes et qu'après un âge sombre, le Moyen-Âge, qui est une période d'oubli, de sommeil des savoirs antiques, se succèdent donc de nouvelles générations qui sont des athlètes des savoirs, qui dédient leur vie à la recherche des textes anciens, leurs publications, leurs traductions, et à un travail philologique, c'est-à-dire de restauration de la pureté des langues grecques et latines, surtout latines. Et un exemple qui est très, très connu, je ne sais pas si vous êtes familier de la figure du Poggio, Poggio Bracciolini en italien, secrétaire pontifical, qui raconte dans une lettre qui est un des monuments historiographiques justement de cette mise en récit de la création de cette image d'Épinal de la Renaissance. Il raconte donc dans une lettre de 1416 comment, alors qu'il devait se trouver au Concile de Constance comme secrétaire pontifical, mais bon, il avait des loisirs, il est allé explorer la bibliothèque du monastère de Saint-Gall en Suisse, pas très loin de là, il a découvert une version complète du traité
de grammaire et de rhétorique de Quintilien, l'institution oratoire, donc le grand grammairien latin, qu'il a héroïquement arraché à sa prison et à l'oubli auquel il avait été condamné par ces ignares de moines qui ne faisaient même pas figurer le manuscrit en bonne place dans leur bibliothèque, mais qu'il avait abandonné dans un dépôt. Donc vous avez ici une représentation de cet humaniste plus tardive. C'est un épisode de sa jeunesse, hein, le sauvetage du manuscrit de Quintilien. Et vous le voyez donc présentant un ouvrage dans une posture relativement d'autorité, avec l'index pointé vers le pape, le dédicataire. L'autre trait essentiel de ce qu'on entend par renaissance, et donc ce qui est un stéréotype, c'est l'idée que les grands esprits qui exhument les textes perdus, oubliés, et qui rénovent la langue, sont aussi ceux qui sont les promoteurs d'une sorte de confrontation, de dialogue fécond entre dogme chrétien et la philosophie grecque restaurée, Aristote, mais surtout Platon, qui effectivement a été récupéré en intégralité un petit peu plus tardivement, et donc les acteurs d'une synthèse qui met au centre de la réflexion philosophique, théologique, l'homme, sa perception du monde et sa figure, au lieu de placer Dieu comme élément isolé, central et moteur de la création. Et les conséquences dans le domaine esthétique de l'idée que la création, le monde, l'espace physique autour de nous est issu de la perception humaine, c'est que les arts de la figuration vont rechercher donc davantage des formes de réalisme avec l'usage de la perspective, le respect plus rigoureux de l'échelle, autant d'éléments qui, je pense, vous semblent évidemment absents des représentations médiévales que vous pouvez avoir en tête, notamment dans les enluminures ou dans l'art religieux. Vous savez, vous avez des saints démesurés avec des commanditaires tout petits et des représentations qui échappent à ces formes de naturalisme dans la représentation du monde et du corps humain. Je vous disais que la Renaissance donc, n'existe pas, c'est une sorte de création issue de la promotion de ces idées un peu stéréotypées. Et nous autres historiens du Moyen-Âge enseignons, expliquons inlassablement que le Moyen-Âge est une succession de renaissances au pluriel. Et donc cette introduction beaucoup trop longue que je vous ai préparé, c'est un balayage rapide des renaissances de la période médiévale de façon à essayer de casser cette idée d'une césure absolue entre renaissance et modernité, qui seraient des moments où vraiment on récupérerait les savoirs de l'Antiquité après une sorte de béance qui correspondrait au Moyen-Âge. Et donc la première de ces renaissances de la période médiévale, c'est déjà tout simplement, enfin renaissance là le mot est peut-être pas très bien choisi, mais je voulais mettre en valeur l'idée que dès le début du Moyen-Âge, dans les temps qui sont réputés être obscurs et barbares, on est là au 6e siècle avec les noms de Boèce et de Cassiodore que vous voyez derrière moi. Donc c'est la période des contemporains, enfin des fils de Clovis, du règne de Théodoric le Grand, roi ostrogoth, en Italie. On voit l'émergence de figures absolument fondamentales, telles que Boèce et Cassiodore. Boèce, que certains de vous connaissent peut-être comme l'instituteur du Moyen-Âge, c'est une expression toute faite qui est souvent attachée à son nom, qui est donc un mathématicien, un traducteur, auteur de La Consolation de philosophie, qui est le best-seller du Moyen-Âge. C'est un des ouvrages les plus copiés, les plus diffusés, et surtout qui est lu
sur tout le millénaire médiéval, un dialogue philosophique. Et autre contemporain très important, Cassiodore, qui est un compilateur de formules juridiques romaines, de documents administratifs romains, qui vont être réutilisés ensuite par les royautés barbares, puis par les chancelleries, donc les administrations à la fois pontificales et puis d'autres formes de gouvernement, notamment le gouvernement impérial germanique qui se met en place de façon subséquente. Et Cassiodore produit aussi des textes historiques et toutes sortes de synthèses qui font transiter sous la forme de florilèges, de digest, mais de très très grande qualité, une grande partie des savoirs et des textes de l'Antiquité. Et en guise de transition, je vous ai présenté ici très, très rapidement deux manuscrits. Donc le premier, c'est un Boès, enfin pas que Boès, mais donc un florilège, un manuscrit de ce qu'on appelle des miscellanées, comme on compte les bibliothèques médiévales par centaines. On travaille beaucoup sur des compilations, donc des miscellanées qui contiennent de larges extraits de Boès de la première moitié du IXe siècle et un passage des institutions de Cassiodore, qui est une sorte de manuel d'introduction à la philosophie aristotélicienne, également du IXe siècle, parce que donc, dans cette chronologie-là, le IXe siècle, on est en fait dans la période qu'on appelle la Renaissance carolingienne, la seconde Renaissance médiévale, une période où, suite à l'initiative de Charlemagne et de ses successeurs, le milieu curial, le milieu palatin carolingien attire des érudits qui sont généralement des personnes issues du monde du cloître, hein, des moines savants de tout le monde carolingien, à qui on va passer des commandes de manuscrits et qui vont eux-mêmes être des donneurs d'ordre pour les scriptoria, les ateliers d'écriture des grands monastères de l'époque. Et à cette période, donc après les temps, disons, mérovingiens pour aller vite, et la compilation de ces savoirs antiques, notamment par Boès et Cassiodore, on travaille au 8e, surtout au 9e siècle, à élaborer de nouvelles copies, de nouvelles moutures, et à mettre en circulation ces documents pour unifier l'espace intellectuel de l'Empire carolingien et cette chrétienté qui est assoiffée de connaissances. Et vous avez là particulièrement en vert, bon, que vous, je ne sais pas si, ah, si en fait on voit bien le détail de la carte, en vert sont cartographiés les monastères qui sont les hauts lieux de ce phénomène de Renaissance carolingienne. Alors, pour être très honnête avec vous, les spécialistes de l'époque carolingienne contestent maintenant l'expression de Renaissance carolingienne. On parle plutôt de réforme carolingienne. L'expression est discutée. Mais je ne vous cache pas qu'elle était très pratique pour mon propos quand il s'agissait de mettre en avant l'idée que la Renaissance, la grande coupure, n'existe pas, et qu'il y a en fait une succession de vagues d'intérêt pour le patrimoine intellectuel de l'Antiquité, et que ces vagues d'intérêt correspondent à des périodes de copie, de production très importante des manuscrits et de mise en circulation, parce qu'il s'agit pas seulement de copier, mais aussi de faire circuler les textes. Par ailleurs, un des autres aspects absolument essentiels de la Renaissance ou réforme carolingienne, c'est que c'est une réforme de l'écriture et de la matérialité du manuscrit. Et les manuscrits antiques sont absolument épouvantables à lire. J'en suis bien incapable.
moi qui ai travaillé sur la fin du Moyen-Âge. Alors, il y a la question de la fragilité du matériau, notamment des papyrus, mais surtout, les mots sont collés les uns aux autres. Les copistes ignorent l'espace. Par ailleurs, après, à la période médiévale, et puis évidemment, ils utilisent des rouleaux, ce qui n'est absolument pas pratique. La forme du codex apparaît plus tardivement, c'est une forme médiévale, et maintenant qu'on se retrouve à scroller, comme on dit, sans fin des pages sur Internet ou sur nos téléphones, on voit à quel point c'est difficile et pénible de s'orienter dans un texte, et notamment de l'assimiler quand on doit parcourir une sorte de rouleau, justement, de texte. Alors que le Moyen-Âge, donc d'abord avec la forme du codex et ensuite la réforme de l'écriture à la période carolingienne, avec ce qu'on appelle donc la minuscule caroline, va faire progresser infiniment la lisibilité et un accès aisé, une forme de pédagogie des textes. Donc là, vous avez encore, ils ont été sympas, là, j'ai piqué ça sur le site de la Bibliothèque nationale, une écriture mérovingienne qui est relativement lisible encore, mais sinon c'est tout contourné. On dirait... je ne sais pas ce qu'on dirait, c'est terrible. Quand j'apprenais la paléographie, c'était ma hantise, les textes mérovingiens, bref. Donc là, le caractère éminemment plus lisible, je pense, de la minuscule caroline ne vous échappe pas. Et donc tous ces effets de mise en page, en fait, qui pour nous sont hyper familiers, qui sont encore les nôtres, la lettrine, des titres, des sous-titres, un titre courant au haut de la page, une organisation claire du texte, des espaces entre les mots, tout ceci est une innovation de la période carolingienne. Encore une renaissance, encore une nouvelle vague, j'essaye d'accélérer. La renaissance du droit romain à partir du XIe siècle, de façon complètement mystérieuse. Et ça, le médiéviste qui découvrira le pourquoi du comment, notamment les acteurs de cette redécouverte, les médiévistes qui découvriront cela auront gagné le bingo de l'histoire médiévale. À Bologne, vers le milieu du XIe siècle, on ne sait pas comment, donc on redécouvre un manuscrit du Corpus Iuris Civilis, la grande compilation de droit romain qui avait été réalisée dans l'Empire byzantin au VIe siècle. Donc, vous noterez bien que c'est exactement la même chronologie que Boès, Cassiodore, etc. Donc, une compilation de droit romain, ce qu'on appelle le Code Justinien, donc c'est une compilation des lois impériales. Ce qu'on appelle le Digeste, c'est une compilation de jurisprudence, donc des jugements, avec les attendus des jugements, ce qui est ultra précieux. Ce qu'on appelle les institutes, c'est un manuel qui permet d'apprendre à se servir à la fois du Code Justinien et du Digeste. Donc vous avez en fait les corpus et vous avez aussi la méthode d'enseignement qui va avec, à travers les institutes, et après les nouvelles, c'est les nouvelles lois impériales, c'est les lois de l'Empire byzantin, c'est pour ça qu'elles sont rédigées en grec, enfin compilées en grec. Et là, pour le coup, c'est vraiment un corpus qui avait sombré du 7e, 8e au 11e siècle, qu'on redécouvre et qu'on copie, qu'on enseigne, qu'on diffuse, de sorte que sur le plan du droit, de l'appréhension, des rapports interpersonnels, de la construction, de ce que nous finirons par appeler l'État, on a déjà une récupération en fait des savoirs et des savoir-faire antiques. On est vraiment dans la pratique et c'est extrêmement intéressant. Quatrième vague, quatrième renaissance. J'ai des scrupules vraiment à vous dire que c'est une renaissance. J'ai exagéré avec ce titre. On est sur des périodes vraiment très importantes où on a une percolation dans le temps relativement long de manuscrits arabes et ou grecs qui sont transmis via des traductions en arabe par des centres intellectuels qui sont en fait des interfaces et au contact du monde islamique et de la Méditerranée méridionale. Donc le premier qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'école de Tolède,
active à partir du XIe siècle, mais donc très performante jusqu'au XIIIe, dans la traduction et la mise en circulation de certains types de manuscrits, des manuscrits plutôt scientifiques, pour le dire à gros traits, avec des catégories contemporaines, des manuscrits médicaux, tout ce qui touche à l'observation du monde optique, météorologie, astronomie, les mathématiques très bien représentées avec Euclide et Archimède, et aussi les œuvres d'Aristote. Et c'est principalement par cette filière tolédane que petit à petit, au XIIe et surtout au XIIIe siècle, l'Occident récupère les œuvres d'Aristote de façon complète. Les grandes figures du début de la période qui faisaient transiter les connaissances ont beaucoup pratiqué l'abrégé, la compilation, le florilège, alors que là, on a vraiment un intérêt pour récupérer les œuvres complètes et pas seulement des morceaux choisis. Ah, et donc là, c'est un exemple qui est très connu, puisque c'est aussi une des images d'Épinal, hein, de la médecine médiévale, l'examen des urines, d'une traduction de Razès par Gérard de Crémone. Et je voulais vous présenter aussi cette image en insistant donc sur le nom du traducteur star de l'école de Tolède, Gérard de Crémone. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, Crémone est en Italie. C'est un Italien, un religieux, qui se forme au gré de pérégrinations académiques et qui, attiré par la réputation de Tolède, va apprendre l'arabe et contribuer à la mise en circulation des manuscrits. Donc cette image d'un Moyen-Âge sombre, un peu figé et complètement battue en brèche par ce genre de personnalité, leur legs qui est absolument immense, et aussi leurs biographies qui sont composées de très nombreuses pérégrinations. Et on retrouve le même genre de phénomène avec l'autre pôle principal de transit, de percolation progressive du XIe, XIIIe, XIVe siècle, jusqu'au XIVe siècle même, avec le sud de l'Italie, qui est donc soumis à la domination successive d'une dynastie d'origine normande, ensuite de la dynastie germanique des Hohenstaufen, et ensuite des rois angevins de Naples, et donc issus d'un frère cadet de Saint-Louis, et enfin des Aragonais dont vous avez parlé et sur lesquels j'ai fait ma thèse. Et à chaque fois, ces souverains successifs ont veillé et ont compris l'intérêt de ces foyers d'études, de traduction, où on avait accès via soit encore des musulmans qui étaient restés, ou alors des notaires, médecins juifs, des personnes qui étaient une sorte de, comment dire, j'allais dire de poule de traducteurs, mais c'est un horrible anglicisme, disons, d'une sorte de bassin de recrutement pour traduire. Et un des principaux noms de la cour de Frédéric II de Sicile, son astrologue, c'est Michel Scott, qui, comme son nom l'indique, est écossais, qui vient d'Écosse, qui s'est formé à l'école de Tolède pour ensuite trouver à s'employer auprès de Frédéric II et contribuer à ce mouvement de traduction. Et donc là, vous avez un exemple aussi d'un ouvrage de... J'ai tapé dans les collections de la Bibliothèque nationale pour aussi attirer votre attention dessus et sur le fait que, bon, quand Omicron sera passé, souvent ils ont des très très belles expositions de manuscrits qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Et donc on a à Paris un ouvrage de Michel Scott. Et enfin, la cinquième renaissance, la renaissance, celle qui se présente comme la grande césure, et ce moment
où les humanistes, les seuls, les vrais, les grands, ceux qui savent vraiment le latin et le grec, bien sûr, renouent enfin avec les savoirs de l'Antiquité. Comme je l'ai indiqué dans le premier point, leur mérite n'est pas si immense que ça, ils savent où chercher. Il faut aller dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques monastiques, qui ont été de grands centres de copies à l'époque carolingienne. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, en citant la figure du Poggio, de Poggio Bracciolini, qui exhume le manuscrit de Quintilien de la bibliothèque de Saint-Gall. Bah oui, Saint-Gall, c'est un choix évident. C'est un des plus grands monastères, une des plus grandes bibliothèques monastiques de l'histoire de la chrétienté occidentale. Et il ne prenait pas un gros risque en faisant le chemin du Concile de Constance à cette bibliothèque-là, à la recherche de textes peu diffusés. Et donc on observe ça avec le Poggio dans la bibliothèque de Saint-Gall, et au siècle précédent, on a, de la part de Boccace, donc autre figure de proue, de cette grande renaissance qui se veut un moment de récupération héroïque des savoirs de l'Antiquité, il est allé au Mont Cassin, pareil, énorme bibliothèque d'époque carolingienne, dont il a sorti un exemplaire de Tacite qui circulait plus du tout au XIVe siècle, mais dont on se rend compte en fait que c'est une copie du milieu du XIe, donc une copie aussi un peu tardive, et qu'il y avait quelqu'un pour copier et produire une bonne version de Tacite au XIe siècle. Et Pétrarque aussi, qui fait le malin exactement de la même façon, hein. Donc lui, en exhumant une partie de la correspondance des lettres familières de Cicéron, lui, il est allé les chercher à la cathédrale de Vérone, pareil. Des centres intellectuels dont on sait très bien, en fait, quand on connaît l'histoire de la chrétienté, une histoire intellectuelle de la chrétienté, qu'on ne prenait pas grand risque à chercher dans ces fonds-là. Cette génération-là récupère des textes qui étaient effectivement... Ça, on ne peut pas quand même leur dénier toute forme d'intérêt et les apports, hein, dont ils sont responsables. Ils s'intéressent énormément à l'historiographie, donc aux récits historiques. Tacite, Tite Live, Salluste, qui sont des textes qui intéressaient peu, qui intéressaient moins le Moyen-Âge, qui se contentaient des résumés qu'on trouvait en tête des chroniques universelles où on parlait un peu vite fait, allez, la République romaine, quelques empereurs. Voilà. Là, on va vraiment s'intéresser à l'historiographie romaine et aussi donc aux correspondances dans lesquelles ces humanistes vont puiser des modèles rhétoriques. Donc le grand modèle, c'est la correspondance de Cicéron. Et ces humanistes vont se mettre eux-mêmes à imiter Cicéron en entretenant une correspondance avec leurs amis et leur réseau d'intellectuels proches. Mais c'est une correspondance dont j'ai envie de dire qu'elle est insincère. Disons qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire pour prendre des nouvelles, mais d'écrire pour la postérité. Et on garde copie par-devers soi de chacune de ces lettres qui est conçue comme une œuvre, un monument où on fait étalage de sa maîtrise du latin et de la capacité à traiter de certains thèmes. Donc, il s'agit plutôt de thèmes familiers, effectivement, la mort d'un proche, les noces d'un enfant. Ah, au fait, t'as entendu, c'est Bidule qui a eu le poste de secrétaire pontifical, je le déteste, il est nul, ce genre de choses. Ils sont épouvantables entre eux, vous n'imaginez pas. Donc on avait déjà ça pas mal, notamment à travers la reconstitution d'Aristote sous forme plus complète. Et c'est un phénomène qui a irrigué la naissance des universités au XIIIe siècle. Et là, avec cette génération-là des humanistes, des vrais, on a vraiment un approfondissement
de la recherche, de la complétude des textes, et le goût et l'esthétique du florilège, en quelque sorte, régressent profondément à cette période, 14e, 15e siècle. Et donc si là, il faut identifier quand même des dichotomies dans la culture entre, et dans les normes culturelles entre Moyen-Âge et Renaissance, c'en est une. On se met à lire les textes complets. Donc, voilà, c'était l'idée à retenir de cette introduction épouvantablement longue. Et j'insiste lourdement parce que une fois qu'on est débarrassé de ce bagage, mais qui est issu de notre enseignement scolaire, hein, qui est encore inscrit noir sur blanc dans les programmes, ça amène à relativiser ces grandes figures de la Renaissance, Léonard, Michel-Ange, et à prendre conscience que leur mise en avant est le fait d'une construction intellectuelle, de la construction d'un discours sur l'exceptionnalité des temps qu'ils sont en train de vivre. Ces hommes du 15e, du 16e siècle, ils sont persuadés de faire l'histoire à chaque fois qu'ils prennent la plume, à chaque fois qu'ils prennent le pinceau ou leur ciseau de sculpteur. Et c'est, à mon avis, un élément de cadrage et d'éclairage absolument fondamental. L'autre élément, c'est le rôle des cours et du patronage artistique dans le positionnement social de ces individus. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment les cours contribuent à l'évolution des hiérarchies sociales. Comment faire carrière quand on est un lettré, quand on est un artiste, à la période médiévale et après? Quand vous êtes un lettré, un cultor studia humanitatis, que vous êtes tout à fait capable de vous exprimer en latin, que vous êtes frotté de grec, évidemment, les charges ecclésiastiques et l'université sont des débouchés évidents. Les universités sont fondées, c'est des corporations de maîtres et d'étudiants qui apparaissent pour les premières dans le premier tiers du XIIIe siècle, avec Padoue, Bologne, Paris, Oxford aussi, comme fondation extrêmement, extrêmement précoce. D'autres lieux où faire carrière, où gagner sa vie, où gagner de l'argent, mais aussi bénéficier d'une dynamique d'ascension sociale, c'est les institutions de gouvernement. Alors évidemment, les institutions du gouvernement royal, princier, mais aussi les institutions du gouvernement urbain. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne à plein pour les Italiens, un peu moins dans les autres territoires où l'autonomie des villes n'est pas si grande qu'en Italie. Mais pour le dire en peu de mots, l'Italie du Nord, en théorie, est sous l'autorité de l'empereur germanique. Mais cette autorité s'exerce de façon distante, lointaine. Et l'époque où l'empereur faisait des descentes en Italie régulières, notamment pour se faire sacrer, enfin, couronner roi des Romains puis sacré empereur, cette époque est très largement révolue à partir du XIIe siècle. De sorte que la tutelle impériale sur tous ces espaces, la plaine du Pô, la Toscane, elle est très lointaine. Et les figures du gouvernement urbain, sont dans un premier temps des figures épiscopales qui vont concentrer un peu des pouvoirs et des formes de délégation d'autorité. Et très rapidement, des institutions proto-démocratiques. Je ne sais pas si la notion de la péninsule italienne et des villes italiennes comme laboratoire politique, laboratoire de la démocratie occidentale, je ne sais pas si ça vous est familier ou pas, ça fait partie des lieux communs et de choses que nous, on enseigne. On a des villes qui se dotent donc d'institutions municipales très prestigieuses et qui représentent des débouchés pour les humanistes.
Bon, ça marche moins. Donc, dans les espaces soumis à des monarchies plus traditionnelles et des monarchies plus centralisées. Un exemple de ce type de profil, le chancelier de Florence, Coluccio Salutati, qui est responsable donc de la récupération d'une autre partie de la correspondance de Cicéron, qui a une carrière itinérante, s'emploie dans les états pontificaux, avant de retourner dans sa ville natale, c'est l'apogée de sa carrière, et il fait ouvrir la première chaire d'enseignement du grec en 1401 à Florence. Ces humanistes sont en grande partie ceux qui font carrière dans les villes et qui jouent un peu sur les deux tableaux, carrière auprès des cardinaux, auprès du pape et exercice de fonction de gouvernement urbain. C'est une grande partie des humanistes qui se distinguent avec ce genre de carrière sont des élèves de Coluccio Salutati. Donc tous ceux que j'ai cités en bas, Bruni, Biondo, Bracciolini, dont on a déjà parlé, Valla représente une sorte de deuxième génération, si vous voulez, c'est un peu les fils spirituels de Salutati. Mais clairement, c'est plutôt la cour qui va les intéresser et qui va s'avérer beaucoup plus lucrative aussi, parce que les cours sont généralement aux mains, enfin plutôt le lieu de vie, de dynasties dont le pouvoir est beaucoup plus stable que les gouvernements italiens, les gouvernements urbains italiens au XIVe siècle, où s'opposent des factions qui mènent des luttes acharnées les unes contre les autres, luttes qui se soldent par des vagues d'exil. Et c'est beaucoup plus précaire comme existence. Donc les chancelleries princières, cardinalistes et pontificales, ont très rapidement, à partir du début du XVe siècle, être la principale ambition des humanistes. Et le moyen d'y accéder, c'est de faire savoir que tout le monde écrit le latin n'importe comment, sauf eux. Et que vraiment c'est honteux, ces textes abâtardis, cette langue corrompue, et que les universitaires vraiment sont peu recommandables. De sorte que, évidemment, les princes qui sont en concurrence les uns avec les autres sur le plan militaire, géopolitique, territorial, évidemment, mais aussi dans la construction d'une image de puissance qui passe par l'affirmation de leur générosité, de leur magnificence, les princes sont rapidement convaincus par ce discours qui présente ces nouvelles générations d'intellectuels comme les seuls capables de mener à bien cette mission civilisatrice de rénovation de la langue latine. Et dans le cadre de cette lame de fond culturelle, ce serait quand même assez honteux d'envoyer des lettres, d'émaner des lois, des écrits, des édits dont la langue serait de mauvaise qualité et corrompue par le terrible latin scolastique des universitaires. Donc, on a une sorte de, comment dire, d'emballement, de vague de snobisme qui s'empare des chancelleries où on recrute des humanistes. Je parle de la chancellerie, juste au cas où la notion ne vous soit pas hyper familière, c'est ces espèces d'institutions qui étaient des super secrétariats qui écrivaient la documentation pour les souverains, mais donc pas seulement leurs lettres, leurs correspondances, mais aussi tous les actes, toute la législation, et qui produisaient plusieurs centaines de lettres par jour, plusieurs centaines d'écrits par jour au XVe siècle. Ces humanistes sont des employés de luxe, ils ont un statut un peu particulier dans les chancelleries. Ce n'est pas eux qui tiennent la plume,
et qui envoient l'original, font la copie dans le premier registre, la copie dans le deuxième registre, celui qui sera visé par le contrôleur des finances qui va vérifier qu'on paye bien les droits des sceaux, ce genre de choses. Généralement, ils écrivent les morceaux de bravoure de la documentation royale, notamment des passages qu'on appelle les préambules, où on explique que tel don est fait pour telle ou telle raison, que notamment toute la correspondance avec les puissances étrangères, par exemple. Ils se réservent les morceaux de bravoure, ils sont mieux payés que les autres, alors forcément ils ne sont pas hyper populaires non plus, et les souverains leur commandent à côté, et ça les occupe pas mal, un travail humaniste, des traductions, éventuellement la recherche de textes oubliés, mais bon, tout le monde n'a pas la chance de trouver un bout de correspondance de Cicéron, donc certains n'y arriveront jamais, ils cherchent, mais ils n'y arrivent pas tous. Et beaucoup de textes historiques, historiographiques, et aussi une littérature apologétique qui connaît une vague vraiment très importante à cette époque. Et alors là, maintenant, on ne les lit plus du tout parce que c'est d'un ennui insondable, mais on a littéralement des kilomètres de laudationes, de discours donc, qui font l'apologie du duc de Ferrare, du duc d'Urbino, du pape, du cardinal Bidule, du roi de Naples. Enfin, et c'est donc cousu de références à l'antique. Et ce sont des machines rhétoriques très, très artificieuses destinées à... Enfin, c'est pas tant destiné aux commanditaires, aux ducs, aux rois, aux cardinaux, qu'aux autres humanistes, pour faire étalage d'une forme de virtuosité et de la capacité qu'ils vont avoir à coudre des références plus ou moins pointues. Donc on a un phénomène d'émulation, à la fois entre souverains et une course à l'échalote pour savoir qui arrivera à tirer le plus d'humanistes à soi dans sa chancellerie, et une course entre lettrés qui sont, ils se connaissent tous, ils se fréquentent tous, et les correspondances des uns avec les autres circulent, sont copiées, compilées, et sont le lieu de joute verbale. Donc j'ai écrit joute verbale à couteau tiré pour rester poli. Il s'agit de véritables échanges d'insultes, souvent, avec des conflits qui structurent un peu les bandes. Vous avez par exemple Lorenzo Valla contre Poggio Bracciolini. Vous avez Andrea Contrario. Donc, voilà un exemple. Je vous ai mis une représentation d'un manuscrit d'Andrea Contrario qui insulte Georges de Trébizonde, qui est un grec issu de l'Empire byzantin et qui est venu s'installer en Italie dans les années 1410, et qui est un excellent traducteur, notamment de philosophie grecque, et Contrario, qui est un humaniste vénitien, bon, plutôt un second couteau, hein. Il est assez obscur, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, écrit donc un traité de conjuration de ce satané calomniateur de Platon, donc contre Georges de Trébizonde, parce qu'il accuse d'avoir mal traduit quelques trucs. Donc il se donne la peine vraiment d'écrire un traité pour prouver que l'autre est un abruti parce qu'il a mal compris deux cas dans un passage. Enfin, voilà. Et donc vous avez là un manuscrit napolitain des années 1470 représentant le commanditaire de la copie, le roi Ferrante de Naples. Dans une page qui est pourpre, donc vous devez la voir plutôt violacée. Donc c'est une imitation des manuscrits, notamment des manuscrits grecs byzantins de l'Antiquité, avec, vous voyez par transparence en fait, des lettres grecques à travers la page, une représentation équestre. Donc ça c'est le deuxième folio du manuscrit, et le troisième, une page de titres donc qui correspond à cette grammaire visuelle dont on a vu qu'elle s'était mise en place à l'époque carolingienne, avec là dans des médaillons des profils d'empereurs romains. Vous avez Hannibal aussi quelque part, je crois que c'est celui-ci.
le roi de Naples, le commanditaire, évidemment son blason et l'emblématique qui correspond à sa famille et notamment le livre ouvert posant cette dynastie des souverains aragonais de Naples comme des grands patrons et protecteurs des arts. Mais vraiment, je n'exagère pas quand je vous dis qu'ils s'insultent les uns les autres et que le fond des insultes porte sur la maîtrise de la grammaire, ce qui fait que la lecture de ces textes peut être facilement assommante. Rigolo quand même. Poggio Bracciolini, celui du début, que vous avez vu présentant un livre ouvert, a écrit une compilation de blagues qui s'appelle Les Facéties. Et donc c'est une compilation des blagues qui circulaient à la curie romaine dans les années 1430-1440. Et là, pour le coup, c'est très marrant et c'est très, très, très grossier. Donc tout y passe, la sexualité, il y a plein de trucs scato. Et là, pour le coup, c'est un visage de l'humanisme qui est un peu différent, singulier, et c'est traduit aux belles lettres. Donc voilà, ça change. Plutôt que les trucs sur Bidule ne maîtrise pas la grammaire, ça se lit bien. J'en reviens à mes humanistes à la cour. Le nerf de la guerre, évidemment, les rémunérations, en espèces, ça vous voyez, en privilèges, c'est-à-dire que Bidule recevra tel pourcentage de la douane, du blé, de tel port, du royaume. Typiquement, dans le royaume de Naples, c'est les formes de rémunération classiques qu'obtiennent des humanistes et qui sont tout à fait semblables à celles d'autres officiers curiaux. Des rémunérations moins immédiatement perceptibles, qu'on saisit moins bien. Il faut les chercher et reconstituer les familles, en fait, quand on est historien et qu'on travaille dans les archives. Mais des recommandations, des soutiens des rois, des cardinaux, du pape, pour obtenir des prébendes ecclésiastiques, soit pour donc des sources de revenus ecclésiastiques, soit pour les humanistes eux-mêmes, soit pour les membres de leur famille. Et enfin, des rémunérations plus symboliques, des titres, et surtout la concession du privilège de familiaritas, de familiarité, qui est un privilège extrêmement recherché par les humanistes et qui va être aussi octroyé à des artistes, et que Michel-Ange notamment va obtenir, et qui est un des leviers justement de l'ascension sociale de ces individus. Ce privilège de familiarité, c'est donc la concession d'un statut juridique particulier de la part du souverain qui indique que à dater de tel jour, tel humaniste, tel artiste est agrégé à sa famille, à sa suite, et que à ce titre, il a tel sauf-conduit, tel revenu, mais surtout, il relève d'une juridiction spécifique et ne relève plus du fort ecclésiastique, c'est-à-dire de la juridiction de l'Église s'il est un clerc, ou alors des tribunaux civils. Et cette familiaritas est particulièrement recherchée. Ça va aller très vite, la classification des arts. Vous avez vu donc qu'on a des sociétés en mouvement et que l'attraction curiale au XVe siècle contribue à générer des dynamiques d'ascension sociale de lettrés qui sont par ailleurs issus de familles pas particulièrement remarquables. Et dans la même chronologie, on va voir bouger les échelles de valeur et la classification des arts. Donc, dans l'Antiquité, on a un panorama qui n'est pas simple à appréhender du tout pour nous contemporains, parce que les catégories
intellectuelles dans lesquelles on peut classer l'art, et notamment les arts plastiques, ne sont pas du tout les nôtres. Vous avez d'une part l'idée qu'il y a la techné, qui a donné technique, qui est un savoir-faire efficace, un savoir pratique, et qu'il est louable de maîtriser des techniques. Chez Aristote, on trouve des jugements de valeur assez positifs, dans sa poétique notamment, et cette phrase très, très connue, « L'art imite et achève la nature », avec l'idée que ce qu'on doit rechercher dans l'art, c'est des formes de figuration plutôt naturalistes. Mais vous avez aussi une acception plus platonicienne qui va dénoncer l'art comme une copie qui dégrade l'idée. Et que chez Platon, vous avez une association du vrai à l'abstraction, au monde des idées. Et d'après Platon, c'est le mythe de la caverne et compagnie, le sensible, ce que l'on perçoit, est déjà une forme dégradée de l'idéal. Et la copie à travers une œuvre d'art est la copie d'une copie. Et donc éloigne du vrai d'un deuxième degré. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis. En tout, ça va ? Ok. Donc je passe pour arriver au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le Moyen-Âge va être en partie héritier de ces conceptions et bien distinguer et hiérarchiser entre ce qu'on va appeler les arts libéraux, le domaine de l'esprit, trivium, quadrivium, ça vous évoque peut-être des choses. Trivium, c'est les trois voies des lettres, dirons-nous, grammaire, rhétorique, dialectique. Le quadrivium, ce sont les quatre voies des sciences, dirons-nous, géométrie, arithmétique, astronomie, musique. Et dans cette représentation qui est très fameuse, vous voyez philosophie trônée au centre de ce cercle. Elle est fontaine de science et le cercle est composé donc des sept arts libéraux. Par opposition aux arts libéraux, on identifie le domaine des savoirs pratiques et notamment le savoir-faire du dessinateur, de l'architecte, comme celui des arts mécaniques. Et clairement, les praticiens de ces arts-là n'accèdent pas à la même reconnaissance sociale ni à la même dignité intellectuelle. Ils sont rangés dans la catégorie sociale en fait, des artisans. De sorte que même ceux qui sont tout à fait exceptionnels, donc là je vous avais mis des représentations du carnet de croquis du maître d'œuvre Villard de Haunecourt, donc même les maîtres d'œuvre les plus fameux des chantiers des grandes cathédrales gothiques par exemple, sont considérés comme des praticiens de métiers, d'art, constructure en organisation, les guildes, en association, en corporation, qui ne leur permettent pas d'accéder à une considération aussi éminente que la perception contemporaine qu'on a de leur génie et de leur savoir-faire pourrait leur procurer. Et cette classification des arts est tout sauf quelque chose d'abstrait. Elle a des conséquences pratiques, donc notamment sur l'organisation, la stratification sociale et sociopolitique des cités italiennes dont je parlais tout à l'heure. Et le gouvernement de Florence, par exemple, et l'exécutif de Florence, est constitué de représentants des arts, les arts majeurs, les arts mineurs, etc. Et donc les peintres, les dessinateurs, les architectes appartiennent à l'art des armuriers et des fourbisseurs. Généralement, ils sont subsumés dans cette catégorie de faiseurs, de praticiens, associés aux arts de la guerre, notamment du fait des applications militaires, de l'architecture et de l'art de la polyorcétique. Seulement,
À partir du XVe siècle, cette classification et cette hiérarchisation traditionnelle entre arts libéraux et arts mécaniques est profondément remise en cause. Et on observe donc un glissement, une promotion absolument spectaculaire, parce que ça a lieu dans une chronologie très resserrée. Donc une promotion des arts du dessin, c'est-à-dire peinture, architecture et sculpture, vers les arts libéraux. La première étape, c'est le traité, enfin les différents traités, mais surtout le De Pictura d'Alberti, que vous connaissez peut-être pour son travail sur la perspective. Et ensuite, évidemment, Léonard de Vinci, qui a toujours défendu le dessin comme un domaine en fait essentiel de mise en pratique de la logique, de la géométrie, des mathématiques, de ses compétences aussi en optique, à travers donc la pratique justement de la perspective. Et Léonard de Vinci plaide pour la mise sur le même plan des arts du dessin que des autres arts libéraux. Et à partir du XVIe siècle, mais de façon très tardive et posthume, circule un traité sur la peinture de Léonard de Vinci, qui est en fait une compilation agencée par un de ses disciples. Du fait de cette promotion très rapide des arts du dessin, leurs praticiens, les peintres, les graveurs, les sculpteurs, certains enlumineurs, vont entrer dans la même sphère sociale que les humanistes et accéder aussi à des rémunérations comme ce fameux statut de familier du prince. Et on observe ça fleurir à partir des années 1430-1440 en Italie, mais au-delà, notamment les ducs de Bourgogne pratiquent ce genre de distinction. Et dès avant, en fait, les rois de France titraient certains orfèvres et peintres qu'ils souhaitaient retenir et pensionner à la cour, les titraient valets de chambre. Un des exemples les plus fameux, c'est celui du graveur Pisanello, que vous connaissez peut-être. Je vous ai pas mis ses œuvres les plus fameuses, et je fatigue, donc j'ai plus rien en tête. En tout cas, vous voyez ici la représentation de profil d'Alphonse le Magnanime, qui l'accueille à Naples et lui procure ce statut, alors que dans les villes où il avait été actif avant, notamment à Ferrare et à Urbino, il n'avait pas obtenu ce genre de distinction. Et d'autres artistes à Naples reçoivent de ce roi, donc Alphonse le Magnanime, ce titre, notamment un Valencien qui s'appelle Jacques Omar, et un peintre plus obscur d'origine milanaise qui s'appelle Leonardo da Bessozzo, mais qui est injustement obscur. La générosité d'Alphonse le Magnanime a octroyé ce privilège de familiarité, et sans doute lié au fait que justement il est le dernier arrivé dans la péninsule italienne. Il est issu d'une dynastie castillane qui accède au titre de roi d'Aragon dans les années 1410, puis ensuite, en raison des problèmes de succession des Angevins de Naples, il est appelé par la dernière reine de Naples pour être son héritier, part en guerre contre René d'Anjou, une longue guerre de succession, mais finit donc par s'implanter durablement en Italie et à recueillir l'héritage du royaume de Naples. Mais justement, c'est un prince ibérique. Et
les contemporains, les humanistes vont avoir beau jeu de dénoncer la barbarie absolue de ces Espagnols qui débarquent sans rien connaître à la culture et à ce mouvement de récupération de l'Antiquité. Et donc, Alphonse le Magnanime que vous voyez là de profil et son fils Ferrante, qui était le type à cheval sur le manuscrit violet, vont travailler à être plus italien que les Italiens, à être de meilleurs patrons que tous les autres patrons et se lancer dans des politiques de commande et de mécénat à très grande échelle pour pallier justement à se construire une légitimité culturelle en subventionnant les humanistes et en accordant donc de façon très généreuse ce statut de familier. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on comprend facilement le mythe Michel-Ange. On a un auteur, Vasari, qui est le père de l'histoire des arts, en tout cas le père de l'histoire de l'art, fondé sur des récits biographiques, établissant des généalogies entre les artistes, des ponts entre les œuvres. Et ce Vasari est lui aussi en fait un artiste qui est complètement pris dans la dynamique sociale de la commande. Lui, il est stipendié essentiellement par les Médicis au cours de sa vie. Et pour aller vite, on trouve parfois l'expression de Vasari, ministre de la Culture des Médicis. Il est à la fois peintre, architecte, c'est lui qui est le concepteur de la Galerie des Offices, concepteur du tombeau de Michel-Ange que les Médicis, à sa mort, vont aller faire kidnapper et kidnappent son cadavre à Rome pour qu'il ne soit surtout pas inhumé à Rome, mais dans la mère patrie florentine. Bon, il n'est même pas né à Florence, mais c'est pas grave. Et surtout, Vasari produit un traité, une sorte de compilation biographique, une compilation de biographies, qui est une démonstration chronologique selon laquelle Florence est un lieu exceptionnel, berceau de la Renaissance des arts du dessin, en trois temps, en trois âges de récupération de la souplesse, de la beauté et des idéaux iconographiques de l'Antiquité, avec un premier temps qui correspond aux trois parties de l'ouvrage, l'enfance de l'art, l'expression vient de là, qui débute avec Giotto, une adolescence au XVe siècle, le Quattrocento et la question de la figuration, de l'imitation de la nature, et donc notamment de la récupération de la perspective, et la maturité ou l'âge de la perfection, qui commence avec Léonard et s'achève avec Michel-Ange. Dans la version de 1550 du traité, il y en a une seconde dans les années 1560 où là, Vasari est quand même un peu gêné aux entournures. Il est obligé de reconnaître qu'il y a d'autres très bons peintres en Italie, qu'il n'y a pas que des Florentins, que notamment à Venise, ils sont pas mal non plus. Donc la démonstration est un peu troublée dans la version complétée des années 1460. Mais donc en première intention, vous avez vraiment un parcours complètement téléologique qui part de Giotto, aboutit à Michel-Ange, présenté vraiment comme une figure de la perfection et une figure du génie. Donc Dieu déjà distingue la Toscane comme le meilleur endroit du monde, grosso modo. Il voulut donner à Michel-Ange Florence pour patrie, pour la combler de perfection, comme cela avait commencé avec Cimabue, Giotto, Brunelleschi, Da Vinci. Donc, cette pensée généalogique qui est obsédante, et donc une figure comme Michel-Ange, qui découvrirait par son esprit, informé par Dieu,
l'infini du monde fini. Donc Michel-Ange, l'homme, capable, par son génie, de faire entrevoir le divin. Et donc là, j'aurais dû remettre la reproduction de la naissance, de la création d'Adam. À propos des œuvres de Michel-Ange, à plusieurs reprises, vous voyez apparaître l'adjectif divin sous la plume de Vasari. À propos du nu du Christ, un nu si divin, tanto divino, et le thème du miracle, c'est un miracle que d'un rocher, sans aucune forme, il est réussi à tirer cette perfection formelle. C'est l'émerveillement, en fait, devant la puissance de l'apparition de la forme à partir de l'informe. Et donc, ces thèmes qui constituent le substrat, en fait, de la Laudatio de Michel-Ange par Vasari sont, en fait, la façon dont on va définir le génie à partir du XVIe siècle et ensuite à l'époque moderne. Donc, on trouve ça à propos de Michel-Ange. Et déjà, les figures d'Alberti et de Léonard de Vinci aussi sont mises en avant comme ces hommes universels. Il y a l'expression de polymathe aussi, mais qu'on trouve plutôt sous la plume des historiens britanniques. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà croisé. Homme universel me semble beaucoup plus parlant. Donc c'est l'idée de savoir s'illustrer dans différents domaines, la littérature, l'architecture, le dessin, la peinture, etc. Donc c'est un des premiers aspects de la définition du génie qui émerge avec Vasari, notamment avec la figure de Michel-Ange, et qui ensuite va complètement informer, donc donner sa forme à nos catégories de perception de l'époque moderne et de l'époque contemporaine. Et donc, je vous indiquais dans le diaporama que c'était problématique parce qu'il y a quand même des esprits universels bien avant le XVIe siècle. Et que, Dieu merci, on n'a pas attendu la Renaissance pour avoir des personnes remarquables. Autre idée qui structure la vision du génie, donc encore, je crois, dans notre monde contemporain, c'est donc la capacité du génie à faire émerger l'idée, la forme, la représentation de l'informe et de la matière. Donc c'est quelque chose qu'on trouve à propos du commentaire de Vasari sur qui trouve ça incroyable que Michel-Ange ait fait sortir la Pietà d'un simple bloc de marbre. Là, une esthétique du non finito, de l'inachevé, qui est aussi une des marques de fabrique. Alors aussi parce qu'il a laissé des choses inachevées. C'est pas seulement un grand projet intellectuel, hein. Mais effectivement, chez Michel-Ange, on a dans plusieurs œuvres, il y a deux Pietà notamment qui sont très frappantes car inachevées. On a une sorte de travail de dégrossi de la pierre et qui donne déjà une impression de vie et de mouvement tout à fait saisissante, alors que la statue est encore plus ou moins fondamentalement un bloc. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose d'esthétiquement très frappant. Et ça a contribué à imposer durablement une échelle de valeur aussi sur la sculpture, selon laquelle, en fait, la sculpture en ronde-bosse, comme ça, dans laquelle on dégage une forme à partir d'un bloc, est une sculpture, beaucoup plus noble et beaucoup plus difficile et compliquée que la sculpture par agglomération, quand on commence par former avec de la terre et qu'ensuite, après, on va couler un bronze ou quelque chose par-dessus. Donc, c'est un des,
des stéréotypes associés au génie qu'on voit clairement germer dans les jugements et les récits de Vasari sur Michel-Ange. Et je crois que c'est le dernier truc que j'ai mis en avant, ouais. La valorisation, j'allais dire la romanticisation, en tout cas un récit qui met en avant la figure de l'homme seul. Il est seul face à son génie, justement, ses idées. Il travaille tout seul, il est torturé par sa vision et les autres n'acceptent pas, ne peuvent pas participer, ne peuvent pas comprendre les affres de sa création. Bon, en fait, Michel-Ange a des aides, un atelier beaucoup moins important que quelqu'un comme Raphaël qui faisait travailler littéralement des dizaines de personnes sous ses ordres pour pouvoir répondre à toutes les commandes. Et il est vrai, d'après les témoignages des contemporains, que notamment sur la Sixtine, il aurait travaillé seul, absolument seul. Par contre, notamment dans son travail de sculpteur, Michel-Ange utilise ses aides et ce qui est la base du travail, c'est les dessins du maître. Le dessin est premier dans la conception, dans l'intention, mais après dans la réalisation, voilà, il y a aussi des formes de contraintes économiques qui s'exercent sur les artistes. Et cette mise en avant aussi de la solitude du génie et fait partie des stéréotypes hein, associés à Léonard de Vinci. Et on sait aussi justement qu'il était assisté, et notamment par Melzi à la fin de sa vie, qui est celui qui a compilé ses écrits épars et qui a donné forme à ce fameux traité sur la peinture. Donc, les représentations dont nous disposons et les attentes que nous avons, nous, contemporains du XXIe siècle, autour de figures d'artistes auxquelles on va accoler le terme de génie, sont des représentations dont on peut clairement faire l'histoire et documenter l'émergence. Et c'est vrai qu'il y a un moment de cristallisation très fort autour du 15e, 16e siècle. Et donc, quand je vous dis, comme toute médiéviste, non, la Renaissance, ça n'existe pas, c'est une entreprise de calomnie contre le Moyen-Âge, j'y vais un peu fort, évidemment. Mais cette cristallisation, cette convulsion même, en fait, dans la culture savante, ce grand bouleversement ne peut absolument pas être compris sans les vagues, le millénaire de vagues de récupération, plus ou moins partielle, de l'Antiquité par le Moyen-Âge, qui n'a jamais oublié d'où il vient. Et donc ce terme de Moyen-Âge, qui est conçu comme quelque chose d'infamant, un medioevo, c'est l'âge moyen, le truc mou entre Antiquité et Moyen-Âge. une des sources évidentes de la Renaissance. Et je crois que j'ai trop parlé. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été... Merci beaucoup, merci à vous. Alors on a un peu de temps quand même pour quelques questions, si vous souhaitez poser des questions à Roxane qui l'a. Peut-être pour revenir sur la fin, vous parliez notamment des aides des artistes. Alors, et vous soulignez aussi bien sûr qu'il y a eu plusieurs vagues finalement de renaissance et que le Moyen-Âge a aussi plein d'intellectuels qui ont à la fois compilé, travaillé sur les textes anciens, etc. Est-ce qu'au niveau de la mobilité de ces intellectuels, est-ce qu'on perçoit une différence entre les périodes un peu plus anciennes du Moyen-Âge et la période de la Renaissance? En clair, est-ce qu'il y aurait une plus grande mobilité à la fois des artistes, des savants et peut-être des aides, des apprentis à ce moment-là? Ou finalement, c'est pas là que ça se joue? Plus d'échanges, peut-être. La Renaissance, non, pas forcément. Pas forcément, parce que justement la péninsule italienne acquiert à ce moment-là une centralité tellement importante
que c'est des Italiens qui se forment en Italie, donc principalement en Toscane, et vous avez aussi donc Rome, Venise comme centre très important, et Naples qui se bat pour exister comme centre secondaire. Je disais ça aussi parce que par rapport au film, par rapport au film, on voit dans le film un apprenti de Michel-Ange qui est d'origine apparemment allemande, oui, et qui vient l'aider. Alors est-ce que c'est une vision du réalisateur sur une sorte d'universalité ou est-ce Non, il y a effectivement des gens qui viennent de loin pour entrer au service de tel ou tel maître prestigieux, mais disons que les circulations les plus importantes sont plutôt de l'Italie vers l'extérieur, l'Italie qui irradie, qui diffuse cette nouvelle esthétique. Et effectivement, il y a des gens qui sont attirés, qui vont aller se former en Italie, mais c'est quand même pas le mouvement principal. Et sur le plan, donc, non pas des arts plastiques, mais vraiment intellectuels, j'aurais presque tendance à dire en fait qu'on bouge plus au Moyen-Âge, que les pérégrinations académiques d'un centre universitaire à l'autre sont plus importantes au XIIIe, au XIVe siècle, qu'au 15e, 16e, où de toute façon, les Italiens sont tellement persuadés d'être le centre du monde qu'eux ne bougent plus, les intellectuels italiens. Et donc, ils vont attirer aussi, il va y avoir des Français, des Ibériques, etc., qui vont fréquenter les centres, notamment pour l'enseignement du droit. Bologne est toujours restée la référence universelle en Occident, mais les Italiens, eux, ne bougent plus. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle, des remarques ? Non, pas pour l'instant. Alors peut-être à l'occasion de la préparation de la conférence, enfin de la présentation en tout cas, j'ai eu connaissance d'une artiste, Anguissola, Sophonisba Anguissola, je ne sais pas si vous connaissez forcément. Et donc j'ai été assez impressionné en fait par son parcours, parce que alors, pour le coup c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Apparemment d'origine noble, qui est ensuite donc peintre, spécialisé dans les portraits, qui va à la cour du roi Philippe II en Espagne peindre les portraits de tous les personnages de la cour. Mais comme elle est noble, apparemment elle ne peut pas toucher d'argent de la vente de ses... Enfin, pour ne pas déroger, j'imagine. Et donc l'argent qu'elle est censée gagner repart ensuite vers sa famille en Italie. C'est un personnage assez fou finalement, et une personne aussi qui va vivre, je crois, très longtemps, plus de 90 ans. Et qui avait sombré dans un oubli absolu, ouais, puisque les grands discours, la grande mise en récit de la Renaissance et de ces généalogies d'artistes à partir de Vasari, mais donc ça va continuer pendant toute l'époque moderne, va soigneusement invisibiliser toutes les femmes qui sont actives dans les ateliers. Alors après, il y en a très peu vraiment qui accèdent à une reconnaissance. Là, c'est un cas particulier, elle était noble. C'est vraiment très très particulier, et le milieu de l'atelier est quasiment complètement fermé aux femmes. Dans le milieu marchand, commerçant, dans le milieu de la boutique, on sait que les femmes tiennent les comptes souvent et qu'elles bénéficient d'une, ce qu'on appelle d'une literacy, d'une alphabétisation partielle, qui leur permettent vraiment de beaucoup travailler aux côtés de leur mari. Donc dans les grands milieux marchands, les milieux de la proto-industrie, du textile, etc. Mais en ce qui concerne les arts du dessin et aussi tout le volet donc studia humanitatis, des lettrés, on les voit pas, mais vraiment pas du tout. Et ça fait sens quand on lit aussi la misogynie effroyable des humanistes qui vraiment écrivent des choses terribles sur les femmes. Là, c'est dans le cadre familial, finalement, c'est son père qui l'a poussé à continuer. Donc c'est vraiment dans c'est cette bulle-là que ça... Christine de Pizan, à la cour du roi de France Charles V, qui est la grande autrice du Moyen-Âge, et qui en fait a bénéficié d'une éducation extrêmement soignée par son père, qui était l'astrologue de cour du roi de France, mais parce qu'il n'a pas eu de garçon.
Donc en fait, il a une fille et il a transmis un peu par défaut et elle est devenue autrice. Mais c'est vraiment des configurations familiales extrêmement particulières. D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous ferez attention dans le film, cherchez les femmes. Si vous ne l'avez pas vu. Mais merci en tout cas à Roxane Killa et merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci beaucoup.